Alors voici le nœud à tête d'alouette, ce qui vous permet de mettre vos liens sur les supports. Donc vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de 50 cm. Donc ça fait 50 cm, 25 de chaque côté. Alors, on va reprendre le nœud plat. Donc avec 4 liens. Voilà, vous les passez devant. Avec celui-ci, vous allez contourner les deux qui sont dormants. On remonte et on refait la même chose de ce côté. Voilà, ce qui vous donne un nœud plat. Okay. Et là, on continue la même chose. Voilà, vous allez avoir une ligne de nœuds plats. Tout au long de ce tuto, en fait, on va continuer avec ces 8 liens de 50 cm. Le nœud plat, de toute façon, beaucoup celles d'entre vous qui me suivez, je pense qu'elles savent le faire. Voilà. Donc ça fait 1, 2, 3, 4 nœuds plats. Ensuite, vous reprenez les 4 qui sont entre les deux, comme ceci, et vous refaites la même chose. Là, je travaille avec une corde naturelle qui fait 4 mm. Mais vous pouvez travailler également avec une corde écrue naturelle ou d'autres couleurs, hein, bien sûr, si vous le souhaitez, de 3 mm. En général, on travaille avec voilà, ce diamètre de corde. Vous voyez, donc, vous avez des nœuds plats qui sont alternés. On reprend ici. Voilà. Et là, vous allez finir par celui du milieu. Et vous allez vous rendre compte que vous avez fait un triangle. Voilà, ça c'est tout pour aujourd'hui. Et demain, hop, je vous montrerai la baguette oblique. Bye bye!